Tu me regardes avec des yeux bien durs, mais dis. Tu m'as apporté des culottes pirates dans la maison, ça. Oui. On n'est plus à l'aise là-dedans. Depuis que les chez nous sont déménagés, je me sens plus naturelle. Je me sens toujours guettée par la famille. Maman, surtout, qui est loin d'être moderne. Comment t'habilles, Victor? Mon Dieu, je trouve qu'il a l'air heureux. Ouais. Enfin, il fait plus chaud aujourd'hui que la plus chaude journée cet été. On va mourir de chaleur, c'est un peu sorti. Oui, parlons-en, notre été. Le bon Dieu a essayé un autre déluge. Une fameuse pique-nique des chauffeurs d'autobus, il n'y a pas plus, non? Oui. Heureusement qu'on n'était pas en papier mâché, tantôt, on serait plus là. Il y a un beau Sam-Tan. Oui. Bien plus beau que celui de Mme Chapadeau. Oh, comme physique, c'est pas mieux que toi. Ouais, dis donc, pas bien. Ben, écoute, on va y aller. Tu diras à Jean-Napoléon, il n'y a pas trop donné de bonbons aussi. Elle te gâte, ça va bon sens. Oh, je l'ai averti. Elle va le faire jouer dans le parc, et ensuite, à midi, on va manger ensemble. Je connais ça. Bon, allez, c'est ça. Bonjour, maman. Bonjour, Nézim. Oui. Oh! Nézim? Oui. Gages-tu Saint-Saëns que notre nouvelle locataire, Mme Chapadeau, est chez sa galerie pour pouvoir sortir? Oui, oui. Tu as des idées, cette affaire-là? Tu vois, Claire? Chaque fois qu'elle te voit, tu te souris, elle se gonfle le bus. J'aurais dû m'informer avant de le rouer, mon vieux. Elle a une face qui ne me revient pas, cette mangeuse de gomme-là. Bonjour, ma jalouse. Bonjour. Mon Dieu, monsieur Ménage, je vous pensais partir. Je m'excuse. M'en va, là, madame. M'en va. Oh, appelez-moi donc Irène, vu qu'on va vivre dans la même maison pour un bon bout de temps. Hé, je vous ai apporté le portrait dont je vous avais parlé, madame Ménage. Ouais. Bon, ben, je m'en vais travailler, hein. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Onésime. Hein? C'est à moi ou à mon mari que tu es venu monter le portrait? Ah, oh, ben, aux deux. Oh, que je trouve donc que vous avez un bon mari, madame Ménard. On peut pas dire qu'il est beau, mais je sais pas. Il sent la force. C'est un mâle. Oui. Pensez pas que ça y va pas bien, l'uniforme de chauffeur d'autobus. Ah, il a l'air d'un vrai général français. Oui. Je vous dis que ça fait changement d'avec mon mari qui est plâtrier. On dirait toujours qu'il sort des barils de farine. Puis il est en plâtrier, madame Ménard, c'est le cas de le dire. Oh, ben, hey, j'aime bien pareil. Oui. Ouais. C'est bien ça, vous? Ben, oui. Comment vous? Vous trouvez pas ça bon? Hey, ça a été pris à Old Orchard cet été. C'est là que j'ai mis mon suntan. Mon mari, les suntan, ça ne l'intéresse pas, puis les physiques de femmes non plus. Oh, vous allez me faire croire ça. Vous allez m'excuser, mais il faut que je téléphone à ma mère. Oh, de rien, de rien. Madame Ménard. Vous ne voudrez pas que vous soyez jalouse de moi non plus, hein? Eh bien, bye-bye! Mais il y a la belle affaire à déménager aussi!
Et ça, c'est ma cuisine. Hé, ça va être quasiment 20 ans de cracher du plancher, toi. Ah, mais dis donc, attends, vous allez faire votre ciel sur la tête. Hein? Parce que, ouais, avec ça, c'est une créature qui a marqué un flouf. Son ciel, elle fait sur la tête. Hé, hey, ça se passe pas bon, non. Oh, moi, ça, toi. Marc, tout, t'avais des pitons, ça, Marc, tu vois, je. Si je m'en avais fait des études, vous pouvez marquer ça, cette affaire-là. Ben, pour rien, une belle maison neuve, tu vois, avec une laveuse et puis un secoué automatique, puis pas de frigidaire, pas de poêle à électricité, donc un vieux deux ponts. Il y a des explications, demande ça à son père. Ça, Sophie, tu conseilles? Non, mais j'ai mes plans. Alexandre, viens, je vais te montrer mon bureau. Non, il me semblait que l'intellectuel de la famille s'était pas oublié. Hey, c'est le téléphone. Oh, excusez, hein. Oui. Hey, mon Dieu, c'est long à marcher. Mais c'est si grand. Mon copine, moi, je calcule que t'as fait un bon coup à plein. T'as rendu ta créature heureux. Allez, les deux premières nuits qu'on a passé ici, après les réparations du feu, faites, là. Ben, pas de dormir. Ah, c'est toi, ma Cécile. Salut, nous autres, hein. Si tu savais comment c'est plaisant, une maison de même. Je comprends pas si tu sais bien si, mon gars, je suis à New York. C'est encore mieux quand ça sera tout à vous. Bon moment, je téléphonais parce qu'on hésite pour probablement passer en allant travailler. Est-ce que vous pourriez y donner votre recette de ketchup vert? Avec plaisir. Oui, avec plaisir, ma Cécile. Tiens, j'ai de la visite, là. Le père Gédéon, et puis ton oncle Alexandre. Ah ben, je te dis qu'il trouve ça beau. T'en comprends pas, François. Toi, t'es moderne ici dedans, ah. Oui. D'un coup, pas de frigidaire, puis un vieux de fond. Tu manquais de soin rendu au bout, quoi. Non, mais... Frigidaire, on n'a pas besoin avant le printemps prochain. Puis le point à deux ponts, là, ça, c'est le symbole du succès futur de Plouf et Fils. Comprends pas. Hey. Tant de coutumes, je comprends comme il faut. Je comprends même un avocat. C'est intelligent. Mais oui, si c'était facile à comprendre, moi, je ne parlerai pas de grand avenir pour Plouf et Fils, surtout pour les temps qui courent. Je ne peux pas rien te dire tout de suite, là. C'est trop grave. Tu commences à me faire peur, au mois de novembre, il faudrait que j'aille en Alberta. Tu viendras pour nous. En Alberta? Quoi, c'est ce qu'on va faire là? Bon. Quelqu'un n'y a pas parti là-dedans. Hein? Je viens de le retrouver, là, entouré trois, quatre petites filles du village. Un fou! Je vais voir dans quelle sorte de tâche je t'ai tombé, puis... Ah, pas de l'air pitre, là. Eh ben, Guillaume, tu fais bien la connaître ta force d'un qu'une fois, moi. Je donnerais toute ma terre à ta supprimée d'Istevac pour retrouver mes 20 ans. Ouais, ça c'est bien beau, cette affaire-là. Mais nous autres, on a l'intention de former un centre sportif, ici. C'est pas en s'asseyant sur les perrons avec des petits fers qu'on va donner l'exemple aux jeunes qui ont encore des muscles à se développer. Ben, tiens, comment tu veux ta vieille chanson? Je recommence pas, tu supplétais qu'on est fini, hein? J'ai pas dit ça. Eh, voyons donc, les garçons, voyons donc. Ça ne nous fera pas de tort que Guillaume se fasse plusieurs amitiés. Un nouveau dans le quartier, c'est un bon moyen de se faire connaître par les femmes. Écoutez, s'il faut perdre son nom pour avoir une clientèle, que je vais me dire tout de suite, moi. Mais, Marc, oui, Dieu, voyons, t'es jamais été aussi scrupuleux que ça depuis que t'es démarqué. Ah. Je ferais bien avec ta tante de vrille. Pour ça, il vient de passer une demi-heure avec M. le curé, là. Je pense que ça l'a influencé pas mal. Ah, t'as vu M. le curé, voyons? Ouais. Puis, vous savez où vous placez bien, les gars! Faux, oui. Je comprends. Avec les plans que j'ai pour tout le fils. C'est Cécile. Elle s'ennuie à mort, c'est pour titre. On disait, mais pas arrivé. Il est supposé venir chercher la recette de ketchup veille. Bien, alors, vite. Quels sont tes plans? Bien. Tu as écrit un roman avec un certain succès.
en as-tu un autre sur le métier? C'est une chose dont je voulais te parler, justement. Ben, vas-y. J'ai l'intention de quitter l'assurance. Mais quitter l'assurance pour la littérature? Et Rita Toulouse, penses-tu un petit peu à son avenir? Sûr. J'ai un plan formidable pour faire de l'argent, tout en servant l'insatiable curiosité de mon esprit pour la nature humaine et partant servant ma carrière d'écrivain. Ouais. Eh bien, j'ai toujours eu peur de ces trucs-là. Regarde. Salon pour lire tes comiques. Comme ça, les comiques. Tu vois quelle est ma situation, Alexandre. Je discute de ma carrière d'écrivain devant mon jeune frère qui lit les comiques. Mais c'est payant, tu sais, écrire des comiques. Tu me connais mal, Alexandre, si tu crois que mon plan pour faire de l'argent s'apparente à l'écriture des comiques. Mais qu'est-ce que c'est que cette ambition soudaine de faire de l'argent qui s'empare de toute la famille? C'est la maison neuve? Il y a peut-être trop de maisons neuves en Amérique. Nous vivons en Amérique, Alexandre. C'est un fait qu'il faut accepter. Et puis, je ne suis pas dominicain, moi. Si, tant. Oh, ben, c'est bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Un comique triste. Ah, je comprends. On annonce le mariage de Mademoiselle Danielle Smith avec Monsieur Henri Fontaine. Il l'aime encore. Je crois que... Allô, père! Je vous ai déjà dit de ne pas passer par le salon avec des coffres à outils. Oui, avec... Vous ferez le tour par en arrière. Mais ça, monsieur Abel, c'est pas gentil pour le premier de vos lecteurs. En paix. Okay. Ah, allô, madame! Comment ça va? Ça va bien arranger pareil, cette fois-là. La voiture que c'est, ça? Ah, oui, débouché son tuyau. Pas à pas payer, toi. Oh non, je ne charge rien. Salut, Montagne. Madame Minard. Oh, mon Dieu. Ma pauvre, vous montez ta couverture. Oui, on va voir si la couverture coule. On est propriétaire ou on ne l'est pas? Je peux y aller avec vous? Non, non, non. Pas plus, il n'y a pas d'argent dessus. Oh. Oh, monsieur Mélan. C'est la maison qui est la plus haute. Il n'y a pas besoin d'aller à Woodard. C'est celle. Beauté. Chérie. C'est ça. Et c'est d'or. Et c'est d'or. Mais non! Ah ouais! Et sa couverture! Hein? Je comprends pas! Montez d'abord! Allô? Allô? Vous savez à quel est-ce qu'il m'a mis là? Hey, elle vous a fait demander pour notre tuyauterie, hein? Ouais. J'en ai un qui coule. Ouais, bon, vous voyez, vous réparez cette petite soupe, c'est toujours votre service dans les locataires de Cécile, on va en avoir un point. Hey, vous la connaissez bien, Je la connais? Mm-hmm. Non, c'est la fille de mon patron. Non. Mais non. Bon. C'est pas qu'un petit numéro, hein? Ah, c'est un numéro intéressant. Ah oui? Vous la donnez bien avec elle? Hey, là, là, la femme de Nézim. Je n'ai pas pensé que ça fait de même, vous, Ramona. Pardon, je ne m'appelle pas Ramona. Je m'appelle Irène Chapado. Enchanté, Chapado. Moi, Stan Labrie, je suis le beau-frère de Pollon Plouf qui souhaite. Hey, regarde, je vais vous le réparer. Non, j'en ai pas, mais ça viendra.
Ouais. Ouais, à part le numéro, vous en êtes un papy. Et vous, à ça? Ouais. Qu'est-ce que je me m'énerve? Ben, hey, suis-toi en train de réparer sa couverture. Tu viens de réparer la couverture? Hein, oui. C'est comme que la pince à serrer, mais pas à ce point-là. Ah. Oh, petite fille. Ça va, j'y changerai rien. Hey, là! What the ta-ta! Mitro, là, Didier de venir nous voir tous les jours. Certains, bel moment, certains. Laisse-le donc vivre tranquille, tout seul, là, pendant que tu t'en oui, laisse-le donc s'aimer, laisse-le donc s'aimer tranquille, tout seul, de temps en temps. Mais c'est pas parce qu'on est déménagé qu'on pourra pas se voir. Oh, c'est ça. Notre affaire, tu vois, que tu comprendras comment. Vous allez me gêner, vous. Bon, ben, bonjour, Tom. Ben, écoute, oublie pas, toi, notre voyage de carte, ben, moi, toi, t'as géré. Ouais. Le coveux qui attend. Oui, mais ça va dépendre de ce film, ça. Alors, qu'on a fait pour qu'elle ait envie qu'il parte. C'est pas mal bien, ça. Oh, à propos du tuyau à bouffer, là, dites-donc, Stan, qu'ils viennent à midi pour être là. Ben, c'est pas nécessaire. Stan est parti pour chez vous il y a une vingtaine de minutes. Ouais. Hein? Ouais. Ah, oh, va-t'en. C'est celle qui est toute seule à la maison avec l'autre pirate. Qu'est-ce qu'il y a dans lui? Au moins, il n'y aura pas encore. Enfin! Mais qu'est-ce que tu fais là? Je prends mon bain de soleil avec toi. Mais tu t'en allais, tu tires? Oui, non, oui, non, là. Je veux plus. OK, OK, OK! Mais tu t'en vas pas, là? Je vais m'en aller. Je descends. Cécile! Stan! Qu'est-ce que tu dis? C'est fini! Maman, vous me voyez!
plus jamais dire plouf et fils en décrochant. Oui, plouf et fils en décrochant. On est venu partir noyer. C'est la faute de Stan. Faut que je fasse ma robe. Et puis je suis mauvaise de sens. Non, non, soyez. Allô, Lisa. Vite, chez Cécile. Hein? Onésime. Il est parti se noyer. Comment ça, Onésime est parti se noyer? C'est pas son genre. Oui, qu'est-ce qu'on attend pour faire quelque chose? Mais j'ai justement le taux de la communauté. Venez vite. Oh oui, bon. Mon Dieu, que c'est épouvantable. Ben, dis-moi pas qu'on va avoir de la mortalité dans la famille, Esther. Voici la preuve. Oh, merci, mon Dieu, c'est pas talent. Excusez-moi, madame, alors, avez-vous vu ma femme? Votre femme, j'ai assez de chercher mon mari sans chercher votre femme. C'est ça qui m'inquiète. J'ai trouvé son kimono par terre. Je suis planqué dans la cuisine. Puis toutes ses robes sont dans la garde-robe et elle n'est pas là. Ma femme n'est pas là, madame Manor. Attendez-nous un peu, vous autres. Quoi? Quoi? Mme Ménard! Mme Ménard! Monsieur, on est venu, Ménard. À la maison? Es-tu folle, Irène? Ben quoi? Ben on fait pas du mal! Monsieur le manger, hein? À la maison! Thank you.